جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد أفضل الصلوات ومفتاح السعادات على مفتاح السعادات في الصلاة على خير على سيد السادات على الصلاة على سيد السادات صلاة سلام il dit oui même si c'est notre ami Al-Qadiya parce que en fait c'est vraiment parce que Imam An-Nabhani rahmoullah a donné beaucoup de respect à Al-Qadiya rahmoullah il l'aime beaucoup il le vénère beaucoup Al-Qadiya c'est l'auteur de Ash-Shifa fi ta'rif bi huquq al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et dans ce livre là bon dans d'autres livres Al-Qadiya rahmoullah fait l'éloge est magnifique sublimement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Al-Qadi Iyad donc rahmoullah donc par rapport à cela et donc même il a fait aussi beaucoup de d'œuvres pas pour la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam voilà comme Mashariq al-Anwar qui où il a il a commenté il a explicité les mots les termes de qui se trouvent dans les deux sahih et dans Muwatta comme aussi son charh qu'il a fait pour de Ikmal al-Mu'allim qu'il a fait de sahih de l'imam muslim rahimahullah etc et Imam An-Nabhani rahimahullah l'aime beaucoup a un amour profond par rapport vis-à-vis de l'imam Al-Qadi Iyad rahimahullah et d'ailleurs ce livre là où il a regroupé les éloges des savants sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment ça fait encore il s'appelle à Sayyid al-Mukhtar je pense Bahrul Bihar ou je pense c'est comme ça oui c'est Bahrul Bihar c'est ça c'est Bahrul Bihar oui Jawahirul Bihar ah Allah voilà c'est ça Jawahirul Bihar voilà et il a commencé il l'a fait en 4 tomes où il a rapporté les propos il a Imam An-Nabhani il est extraordinaire il a œuvré pour magnifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses écrits presque tous ses écrits c'est sur ce sujet là c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le sujet de ses écrits voilà il rapporte il dit il a rapporté donc les propos il a regroupé dans ce livre en 4 tomes des propos de certains savants des savants des grands savants connus et qui ont fait l'éloge du professeur Hassan et qui ont parlé du professeur Hassan donc il est allé dans le livre il prend les extraits où ils font l'éloge du professeur Hassan et il a rapporté parce qu'il dit que je commence ce livre là et je ne peux le commencer que par le chiffre, les propos qui se trouvent dans le chiffre, l'Al-Qadi Iyad. Rahmallah. Donc il fait savant par savant, c'est comme ça qu'il faisait. Il dit, donc, d'après le livre tel, de tel savant, voilà, dans tel chapitre, il a dit ça du professeur. Dans tel chapitre, il a dit ça du professeur. Dans tel chapitre, etc. C'est comme ça qu'il faisait. Et dans cette partie, il a presque rapporté tout le chiffre. Il y en a d'autres où il dit que, par exemple, par contre, je le mets en avant pour le respect, pour l'amour que j'ai pour lui, mais cela ne veut pas dire qu'il est plus grand. Par exemple, il y a, pour lui, Sayyid Muhyiddin ibn Arabi, radiallahu ta'ala, le chef Akbar, est encore plus grand. Et Sayyid Abdelaziz Abdabaf, radiallahu ta'ala, est encore plus grand. Et il a rapporté, par contre, le parole au milieu.
etc. Mais il dit que non, ça, le chiffre dans le camp derrière, il l'a, est éblouissant. Donc il amène d'avoir ceci pour remédier, voilà, comme source de remède, voilà, par rapport à l'amour qu'on veut juste avoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour dont on nous veut guérir, voilà, qui en fait, c'est un remède qui apporte plus de maladies encore. Voilà, c'est-à-dire l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant une maladie dont on ne veut guérir et dont on n'espère pas guérir. وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد.